Bonjour à tous. Eh bien, contrairement aux apparences, je ne vais pas vous faire une petite recette de cuisine aujourd'hui, mais par contre peut-être une petite recette pour vos animations. Avec un tablier à comptines. Dans ses poches, vous trouvez les petits personnages correspondants aux comptines. Pomme de Renette, mon petit lapin. Et les enfants peuvent venir à volonté chercher ces petits personnages dans vos poches, chanter, faire un cherche-trouve, les recacher dans d'autres poches. Et vous pouvez, si vous le désirez, accompagner cette animation de livres de comptines que vous possédez ou que bien sûr vous pouvez nous emprunter, qui correspondent, j'aime la galette, aux figurines que l'on trouve dans les poches. À votre gré, ce sera l'exploitation avec les livres ou pas, ce sera un jeu de cherche-trouve. En tout cas, nous avons trouvé que c'était une petite animation sympathique à vous soumettre. Voilà, et je voulais aussi vous présenter des jeux autour d'univers, d'artistes, de littérature jeunesse. Ces jeux sont des jeux en bois, des jeux d'encastrement, où l'enfant va réaliser à son gré des histoires qu'il imagine. Alors, il y a le jeu Olivier Douzou, ce qui vous permet éventuellement de prendre aussi les livres d'Olivier Douzou pour découvrir son travail, mais le jeu ne correspond pas à un livre. Le jeu est tiré de l'univers de l'artiste. Donc, vous pouvez vous servir des livres d'Olivier Douzou ou pas, simplement jouer avec son univers. Même chose pour Judith Gueffier. Donc, toujours le même principe d'encastrement en bois. Les trois jeux sont sur la même base. Judith Gueffier, illustratrice, notamment chez Rue du Monde, illustre des albums pour grands et même pour plus petits. Un univers bien particulier mais magnifique. Ici, c'est Martin des Colibris, où nous découvrons les oiseaux et notamment le colibri, avec un système de calque, de crayonné sur calque, et son univers est fabuleux. Bon, même principe, où vous découvrez l'univers de Judith Gueffier dans les livres et vous jouez, ou vous pouvez vous passer des livres. En tout cas, les livres, nous les possédons et nous pourrons toujours vous les prêter, bien sûr. Et puis, Nathalie Chou qui produit aussi, principalement illustratrice, des livres pour plus petits ou pour plus grands. Celui-ci est un livre CD avec les mêmes jeux d'encastrement à volonté de l'imaginaire de l'enfant. Pour exploiter au mieux ces jeux, vous trouverez sur le portail les liens correspondants à l'exploitation qui a eu lieu au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, où vous verrez des enfants en action de jeu, ce qui vous permettra peut-être d'améliorer aussi l'exploitation que vous voudrez en faire. Voilà, ce sont les dernières acquisitions de la BDA, en espérant pouvoir vous les prêter le plus rapidement possible. Merci à tous. Hey.